Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Le 1er mai 2003, le président George W. Bush annonçait, à tort, que les troupes de son pays avaient accompli leur mission en Irak. Pourtant, sur un point au moins, la victoire des États-Unis est réelle 20 ans plus tard. Aucune sanction n'a suivi leur agression. Et ceux qui l'ont défendu, journalistes compris, continuent à privilégier la guerre dans les relations internationales. Après le 11 septembre 2001, le président George W. Bush décide de s'en prendre à nouveau à ce pays alors que les attentats qui venaient d'être commis contre le World Trade Center et le Pentagone avaient pourtant eu qu'un Saoudien et aucun Irakien pour auteur. Cette fois, au prétexte de prévenir d'autres attentats aux États-Unis qui seraient réalisés avec des armes de destruction massive. Il s'agit là d'une invention des services de renseignement américains, aussitôt propagée par la Maison Blanche et les principaux médias occidentaux, le New York Times, The Economist et le Washington Post en tête, sans oublier une majorité de parlementaires, dont Monsieur Joseph Biden, alors sénateur de Delaware, ainsi qu'une poignée d'opposants irakiens en exil. En mars 2003, sans mandat de l'ONU, avec un prétexte aussi fallacieux que celui mis en avant par la Russie 19 ans plus tard pour envahir son voisin ukrainien, une coalition anglo-américaine de 48 États au total, dont la Pologne, l'Italie, l'Ukraine, l'Espagne, la Géorgie, l'Australie, attaque donc une nouvelle fois l'Irak. Le secrétaire d'État Colin Powell a fait valoir peu avant que, quel que soit le résultat des négociations au Conseil de sécurité, le président des États-Unis dispose de l'autorité et du droit d'agir pour défendre le peuple américain et ses voisins. Et cinq ans plus tôt, sa prédécesseure démocrate, Madeleine Albright, avait averti Si nous devons recourir à la force, c'est que nous sommes américains. Nous sommes la nation indispensable. Nous nous tenons bien droit. Nous voyons plus loin. Quand la France et l'Allemagne s'opposent à l'expédition militaire occidentale, le Wall Street Journal organe des néoconservateurs leur explique très agacé qu'il existe dorénavant deux manières de régler les affaires du monde la voie traditionnelle, souvent confuse, du compromis international et du consensus, celle que favorisent souvent les Européens et l'autre, moins bureaucratique et plus rapide, que préfère Washington, les États-Unis prennent unilatéralement les décisions les plus importantes et tentent d'assembler les coalitions ensuite mais dans quel dessein exactement Le président Bush le résumera solennellement en janvier 2005. La politique des États-Unis est d'appuyer les mouvements et les institutions démocratiques dans chaque nation et dans chaque culture, avec pour objectif ultime de mettre fin à la tyrannie dans le monde. Au moment de cette proclamation délirante, l'Irak est détruit, la guerre américaine se poursuit, Plusieurs dizaines de milliers de personnes en ont d'ores et déjà péri, des millions sont réfugiés ou déplacés. Pourtant, la descente aux enfers du pays n'est pas terminée. Elle culminera en 2014, avec la prise de contrôle d'une partie du territoire par l'Organisation de l'État islamique, OEI. Ce bilan n'est en guerre discuté aujourd'hui, exception faite de quelques fanatiques, et l'illégalité de la guerre déclenchée par les États-Unis pas davantage, quelles sanctions ont découlé d'une telle avalanche de calamités et d'une violation aussi absolue du droit international? Aucune. Ni embargo, ni gel des avoirs, ni exigence de réparation, ni procédure de la Cour pénale internationale, ni fermeture des McDonald's, ni boycott de Coca-Cola. Non seulement, nul ne réclame quoi que ce soit de ce genre, mais c'est le souci inverse qui prévaut, sitôt Bagdad tombé en avril 2003. Chacun cherche alors à apaiser le courroux de l'agresseur, qui, scandalisé que deux de ses alliés européens les désavouaient, entend, selon une formule fameuse attribuée à Mme Condolissa Reiss, alors conseillère pour la sécurité nationale du président Bush, punir la France, ignorer l'Allemagne et pardonner la Russie. Punir la France. Conseiller diplomatique à l'Elysée de 2002 à 2007, M. Maurice Gourdeau-Montagne relate que, quand il rencontre à Washington monsieur Paul Wolfovich, ministre adjoint de la Défense américain, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, ce fut sans conteste l'un des moments les plus désagréables de ma longue carrière diplomatique. Tout dans son attitude, son regard, ses gestes, son doigt pointé sur moi, soulignait le peu d'estime qu'il avait pour la France et ses dirigeants, qui incarnaient à ses yeux le défaitisme et la lâcheté. Dans ses mémoires, Jacques Chirac relate une autre rencontre entre monsieur Gourdeau-Montagne, et cette fois madame Rice peu après la chute de Bagdad l'émissaire de l'Élysée propose que Paris coopère avec les autorités d'occupation madame Rice lui oppose une fin de non-recevoir nous avons payé cette victoire avec notre argent et le sang de nos soldats nous n'avons pas besoin de vous comme s'en souvient monsieur Gérard haro alors directeur des affaires stratégiques au quai d'Orsay les États-Unis ne reculaient devant aucune mesquinerie pour nous faire subir des avanies dans toutes les enceintes où ils pouvaient nous punir de notre attitude. Ils s'opposaient dans les organisations internationales à la nomination de Français. Ils laissaient entendre que la France avait envoyé des armes à Saddam Hussein. Assez vite, néanmoins, l'équipée militaire qui avait paru triomphale tourne mal. Les pillages et les attentats se multiplient. Le chaos se généralise. Sunnites et chiites s'entretuent. De nombreux soldats américains meurent. Les États-Unis se réservent les contrats pétroliers de l'Irak les plus juteux. Certains des membres de l'équipe rapprochée du président américain, lui-même ancien gouverneur du Texas, apprécient la chose en connaisseur. Le vice-président Richard Cheney a présidé l'entreprise d'ingénierie pétrolière à Liberton. Madame Rice a exercé pendant neuf ans ses talents au service de Chevron. Autre coïncidence providentielle, nombre d'entreprises favorisées par l'occupant avait versé de l'argent à la campagne présidentielle de M. Bush. Enfin, puisque l'Irak est à la fois détruit et sous tutelle américaine, Washington réclame que les créanciers de Bagdad, la France en tête, renoncent au reboursement de la dette contractée par son ex-dictateur. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.